Un homme aveugle dans la jungle qui n'apprend pas et ne sait pas est un homme qui a peur. Déjà le mot Odibi, ça veut dire la patience. En langue boulo du sud Cameroun, Odibi ça veut dire aussi résister. Et donc Odibi, c'est un ensemble d'histoires qui sont inspirés d'une forme du sud Cameroun qui s'appelle Okangana. Et l'Okangana, ça se traduit en français par chante-fable. Parce qu'en fait, ce sont des fables qui sont racontées par les femmes, principalement, à leurs enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Wadera, de, wadera. Wadera, wadera. Wadera, 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 wadera. Lui a dit le roi des hommes. Wadera, wadera, wadera. Lui a dit le roi des hommes. Wadera, wadera, wadera. Donnez-moi de vos richesses. Wadera, wadera, wadera. Donnez-moi de vos richesses. Wadera, wadera, wadera. Qui ne servent pas au rat. Wadera, wadera. Qui ne servent pas au rat. Wadera, 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 roi. J'ai voulu créer cet ensemble d'histoires pour apprendre le courage simplement. Et le mobile était aussi la musique. Parce que moi, quand on me les a racontées, j'étais très bouleversé par le personnage central des chants de fables qui est le personnage de l'orphelin. Donc dans les chants de fables, l'orphelin est toujours amené à aller chercher quelque chose qu'il a cassé, mais du côté des ancêtres, là où se trouve sa maman. Et donc du coup, à chaque fois, dans son chemin, il rencontre des ogres, des monstres, des choses. Et à chaque fois qu'il leur parle, ces personnages-là lui répondent en chantant. Et c'est un prétexte pour faire chanter les ancêtres, pour faire chanter les morts, en quelque sorte. Ah bon, je suis une menteuse. Si tu penses que je suis une menteuse, alors toi-même creuse ta tombe et va demander à ton arrière-arrière-arrière-grand-père si ce que j'ai dit n'est pas la vérité. Et là, la pauvre panthère, la bête, elle a aussi par orgueil commencé à dire « Creusez-moi une tombe !» Nous creusons la tombe. Mettez-moi dans la tombe. Nous te mettons dans la tombe. Trouver la musique avec les musiciens avec lesquels je travaille, j'ai fait les refrains, ils ont apporté les couleurs. Parce que souvent, les parties chantées, c'est juste le refrain. Et souvent, le refrain, c'est des onomatopées. Zamena zunyule, zamena zunyule, kangali, ujamo wasobe, kangali, masobe, kangali. Donc, on dit toujours, mibo miyebena, il faudrait souvent répondre kangali et
le motif musical devient Kangali. Et quand on a des musiciens assez virtuoses, ils vont trouver une manière de jouer cette musique un peu répétitive. Et après, on pose l'histoire et surtout l'enseignement. Parce que quelque part, ça reste quand même des petites morales de la vie. En fait, je pense que c'est l'art de la patience, c'est l'art d'être heureux. Dorothy Ninja se marie avec Chopin, ouais. Dorothy Ninja se marie avec Chopin, ouais. Chopin, ouais. Chopin, ouais. Chopin, ouais.